Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue, bonsoir Delphine Nunda, Divine Joël, Maier. Partager le direct et inviter le maximum de personnes possible, comme c'est la tradition. Qui a parlé de Congossa ici, Nadine Chou? Alors, partager et inviter le maximum de personnes possible. Je suis très très dessus. Salut à toi Fadil Djamal, Nechao également, Néné Diakité, salut, bienvenue. Je suis très très dessus du comportement de mes camarades combattants. Très très dessus d'ailleurs. C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est des gens qui, je me rends compte au final que il y a tellement de faux culs dans ce combat et des gens qui n'ont pas de parole. Je crois que récemment, je vais d'abord commencer par saluer l'initiative des Amazones, celle d'aller à l'ambassade du Cameroun, exiger la libération des prisonniers politiques. Exposer la situation du Cameroun, la situation socio-politique de notre pays telle qu'elle est actuellement, rappeler à ses dirigeants, à ses satrapes, rappeler à tous ces gens, ces sbires qui entourent Biya et qui passent leur temps voilà, à spolier les caisses de l'État, ceux-là qui prennent du plaisir à voler nos fonds, ceux-là qui prennent du plaisir à faire ce qu'on appelle le crime, parce que la corruption, c'est également un crime contre l'État. C'est détruire sa patrie. Donc, je disais, je vais commencer par saluer les Amazones. Une très, très belle initiative d'ailleurs. C'était une très belle initiative de leur part. Ça a eu son effet. Derrière, on attendait qu'il y ait, du moins, j'ai pensé qu'à un moment, vu ce qui s'est passé sur le terrain, j'ai pensé que, après ce combat, vu qu'il y a eu quelques rencontres, il y a eu quand même quelques petites discussions, il y a eu de temps en temps des échauffourées entre camarades combattants. D'ailleurs, beaucoup ont le mérite de n'avoir pas filmé ces parties-là pour mettre sur Internet, parce que c'était vraiment chaud. Après ça, maintenant, vu qu'on est des êtres humains, évidemment, beaucoup se sont mis ensemble et ils ont donc dit, OK. On va désormais fonctionner d'une autre manière. Il faut qu'on reparte sur des nouvelles bases. Enterrons la hache de guerre et faisons avancer le combat. C'est de ça qu'il était question. Donc, du coup, il y a eu quelques petites discussions entre camarades combattants, notamment entre ceux qui agitaient la toile ces derniers temps. On pensait que le problème était fait. J'ai même d'ailleurs préparé le live depuis le lendemain de la libération de nos Amazones, on était parti à l'ambassade du Cameroun, on a essayé de faire un peu le show là-bas, pour dire un peu à Chou Kangongoli, à tous ces sardinards qui espéraient que on nous mette en prison, qu'on mette les Amazones en prison, ou bien qu'on les déporte, comme c'était le cas pour beaucoup. J'ai dit ceci, c'était l'occasion pour nous, c'était vraiment l'occasion pour tous les combattants de se réconcilier. Et quelques jours avant, j'avais déjà fait une vidéo ici pour appeler mes camarades combattants à resserrer les liens ou même à recoller les morceaux parce que ces derniers temps, il y a eu trop de divisions entre nous. Des clashs entre El Chenoun et Calibri, des clashs qui allaient dans tous les sens. Mouvement Corps, à la base, JSK, le CCD, il y a eu une réunion, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai eu le compte rendu de la réunion. J'ai appelé les protagonistes pour discuter avec eux pour savoir ce qu'il en était. D'un côté, j'entends une version, de l'autre côté, j'entends une toute autre version. Pourtant, il y a eu des photos sur la toile
il y a eu pas mal de choses qui ont été présentées, comme quoi il y a eu une sorte de réconciliation. J'avais bien dit ici que c'était une réconciliation de façade. Et le temps me donne raison. Parce que voilà que, à peine on a initié quelque chose, le lendemain, on retourne encore sur la toile, on commence à clasher dans tous les sens. Je suis très très déçu du comportement du combattant Kemta. Je suis très déçu du comportement également de beaucoup, que ce soit du côté de la base, que ce soit du corps, que ce soit de la basse grise, que ce soit de n'importe quelle basse. Franchement, je pense qu'il est temps, et j'ai dit d'ailleurs il est grand temps qu'on passe à autre chose. Et je vous mets en garde. Sachez qu'également, vous dégager et vous faire oublier dans ce combat n'est pas la chose la plus difficile. Il y a des méthodes. Il y a des choses qu'on est capable de faire pour vous dire qu'à un moment, si vous êtes fatigué, dégagez de la révolution, laissez les autres faire le travail. C'est de trop. J'étais encore, salut à toi Makeda Flora, belle sœur. J'étais encore avec les camarades il y a quelques jours. On était au débriefing, on était, comment dire ça, à la troisième mi-temps, comme on dit au Cameroun. Il y avait des choses qui commençaient, je sentais pas mal de choses, je sentais que dans l'air, il y avait parfois un peu de tension, mais il y avait également un grain de réconciliation entre les camarades. On disait, ok, on va donc recoller les morceaux, et jusqu'ici, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Salomène est venu et m'a dit, bon Bertie, je crois qu'on s'est entendu à ce niveau, et il ne faut plus jamais qu'un camarade s'attaque à un autre sur la toile parce que ça nous discrédite et tout. J'étais très très content. Je me suis dit oui, c'est une très très bonne décision. D'ailleurs, j'abondais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà moi-même fait un live. Même pas un live, j'ai fait une courte vidéo de 12 minutes pour appeler mes camarades à la paix, pour appeler mes camarades à se ressaisir et de se reconcentrer dans le combat. Je tombe sur une autre vidéo. Quelqu'un m'a envoyé ce matin. D'ailleurs, il y a une autre vidéo aussi, c'est une autre publication où la brigade anti-Sardina avec les camarades de la base avait décidé ici de porter le nouveau projet, c'est-à-dire celui du 12 octobre qui consistait à faire un cérémoniel d'investiture symbolique du président élu Maurice Kamto à Paris. Il y a eu quelques temps après un nouveau communiqué de la base disant que, bon, au final, ils ont discuté et tout, et que désormais, ce projet n'est plus... Il n'est plus question de parler de ce projet-là. Il était question de passer à autre chose et que ce cérémoniel n'aura pas lieu, enfin. Donc, j'ai lu le communiqué de la base, mais je pense que quelque part, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Je pense que, en tant que, également, parmi celui qui fait partie des pères fondateurs du mouvement Corps, en tant que président du mouvement Corps, il y a des discours qu'on ne doit pas tenir. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été un discours de la part de El Chenou, mais j'ai vu un post, j'ai même d'ailleurs fait une capture d'écran, de Carlos, un certain Carlos C. Gilda, qui a fait un post en se moquant de la base, que bon voilà, vous vous êtes entendu au fond avec certains sbires du régime parce que vous vouliez faire passer un cérémoniel d'investiture ici. Je salue d'ailleurs l'initiative du professeur Franklin Yamsi qui a contribué largement à détruire ce projet. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un commentaire, une certaine identification de El Chenou avec Carlos Gida qui disait que bon voilà, vous étiez pour ça et maintenant, vous avez fait un virage à 180 degrés. C'est vrai que ce n'est qu'un simple commentaire, ce n'est qu'une simple identification. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de productif pour le mouvement Corps. En tant que président, fondateur du mouvement Corps, il se doit d'être mesuré dans certains de ses propos. Parce que je pense bien que la hache de guerre était enterrée. On a vu El Chenou qui a embrassé... Marx, il y a une poignée de mots assez symbolique quand même, il y a eu pas mal de choses. Je ne veux pas dire qu'il s'est attaqué à Marx, ça n'a rien à voir. Mais Marx également, c'est la base, comme El Chenou, comme moi, comme toute autre personne, c'est la base. Je suis pour qu'on passe à autre chose. Et moi, j'avais dit d'entrée que c'est à cause de ce genre de comportement que parfois, les gens auront l'impression que
Corps est né pour combattre la basse. Corps est né pour faire ombrage à la basse. Pourtant, il n'en est pas question. En l'espace de quelques jours que le général est chez nous, a été à Paris, il a mené pas mal d'actions, il a été avec les groupes. Ça s'est échauffé pendant un certain temps. Il y a eu pas mal de soucis à ce niveau. Moi, je dénonce d'un côté comme je peux dénoncer de l'autre côté. Et j'ai tout été cohérent dans mon discours. Je n'aime pas ce genre de choses parce que, ou alors, on est clair en disant que le mouvement a été créé quelque part pour d'autres objectifs, ou alors, on se rallie à la famille en maintenant, bien sûr, l'initiative Corps, qui est d'ailleurs une très belle initiative que je soutiens et que je continuerai de soutenir, mais pas en tant que son porte-parole. Je soutiens au fond le mouvement. J'ai toujours été clair là-dessus. Je suis très déçu d'entendre encore ce matin une accusation portée sur le camarade combattant Kamwa. C'était d'abord une accusation de 147 000 euros. Maintenant, on est passé à autre chose. Et je pense que la moindre des choses, avant de venir faire, de pondre une vidéo sur la toile pour accuser quelqu'un, il faut prendre le temps de vérifier. La paresse intellectuelle. La paresse habite parfois certaines personnes. La moindre des choses, c'est de prendre le temps de regarder si c'est vrai qu'elle, Kamwa Lapanté avait sur lui une seringue avec un produit dangereux et très nocif à l'intérieur. C'est dangereux. Clotilde Wango, le moindre faux pas, je bloque. Je suis très déçu de certains comportements. Voilà que maintenant on l'accuse d'avoir porté sur lui une seringue. La seringue, c'était pour qui? C'était contre qui en fait? C'était pour, pour piquer les flics. La seringue, c'était pour piquer qui? Je ne comprends pas jusqu'ici. Voilà comment ça balance encore sur la toile. Et je vais dire quelque chose qui me choque encore une fois de plus. Vous étiez ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que ce combat qu'on est en train de mener. Moi, je vais dire quelque chose de très important. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on tire sur les gens gratuitement. Si on a les preuves, si on tire sur quelqu'un avec des preuves, je suis d'accord. Mais tirer sur quelqu'un gratuitement, c'est des choses qui me choquent. La moindre des choses, c'est d'aller d'abord vérifier si c'est vrai qu'il avait une seringue. Mais non, vu que ça participe à la déstabilisation de la basse grise, vu que ça participe par ricochet à la déstabilisation du mouvement corps, il y a certains qui se sont lancés très vite dans ça, en disant que Kamwa Lapanté a porté sur lui une seringue pour aller piquer les gens. Pourtant, tout le monde voit que c'est une poêle. Il tient une poêle. Et il a fait du désordre avec ça toute la soirée. Il tient une poêle et la manche, il y a une manche là, de la poêle qui cognait là toute la soirée. Il faisait des bruits avec ça. Et au moment où on l'interpelle, les policiers l'interpellent, on voit très bien comment la poêle là tombe. Le manche, si vous voulez, tombe. Et c'est ça que les gens m'ont appelé par la suite une seringue. La moindre des choses, c'est de regarder la vidéo avant d'accuser. J'ai même vu des gens pour qui j'avais beaucoup de respect balancer les mêmes images en disant que il y a Kamwa, le camarade Kamwa qui a porté tel truc sur lui. Je dis, c'est vraiment choquant. C'est choquant. Je ne sais pas ce que les gens gagnent en faisant ce genre de choses, mais je dis encore une fois de plus, c'est choquant. Les gens n'ont pas pris le temps de vérifier, mais on est déjà lancé sur la toile pour vilipender les camarades. J'aimerais que ce genre de choses-là cesse. Et de deux, ceux qui étaient sur le terrain, qui ont vu tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Moi, personnellement, moi, je me dis que tous ceux qui étaient sur le terrain et qui ont vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est le Carlos Gilda dont je parlais. C'est un camarade combattant. C'est Carlos Gilda qui a fait une publication pour accuser, pas pour accuser en quelque sorte, mais qui a mis aux yeux des camarades sur la toile en disant que, bon, voici les faits. D'un côté, vous êtes pour le 12 octobre et de l'autre côté, vous avez fait un revirement à 180 degrés. Pourtant, vous étiez d'accord pour, même pas la transition cette fois-ci, mais plutôt l'investiture de Maurice Kamto à Paris. Le problème, ce n'est pas Carlos Gilda. Carlos Gilda peut dire ce qu'il veut. Le problème, c'est d'associer à ça. Donc, le problème, c'est que c'est associé à ça le nom de elle chez nous, qui n'est pas n'importe qui dans ce combat. On a besoin de l'audace de ce monsieur dans ce combat. On a besoin de la fougue de ce monsieur. On a besoin de son côté lobbying. On a besoin de son côté stratégie. Et donc, en tant que fondateur du mouvement Corps, il doit savoir
comment tenir sa parole. Il doit savoir même s'écarter parfois, s'écarter de ce genre de choses. Parce qu'en étant lié à ça, les gens vont penser que le mouvement a été créé. Pourtant, s'il n'en est pas question, corps est en train de prendre de l'ampleur. Tout le monde parle du mouvement corps. Corps prend de l'ampleur dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est en train de prendre de l'ampleur. Tout le monde en parle. La base également qui n'a plus rien à prouver à ce niveau. C'est en train de monter. Mais je pense qu'on gagnerait à être ensemble pour mener ce combat. Donc, j'étais en train de dire que ceux-là même qui sont sur place, c'est ceux-là même que j'accuse. C'est ceux-là que j'accuse. Je vais prendre deux exemples. Si j'arrive quelque part, si j'étais là par exemple ce jour-là, la moindre des choses, c'est que on a passé toute la soirée avec le camarade Kambo la Panthère qui était en train de faire des bruits avec la poêle. Il tapait, tout le monde a vu. La moindre des choses, je suis sur le terrain. On arrête le camarade comme moi, qui est mon camarade combattant, parce que sur le terrain, au front, on ne doit pas se lâcher. On doit être solidaire. La première des choses, c'est que je fais une vidéo, ne serait-ce que de 2 minutes. Je dis bien, je fais une vidéo de ne serait-ce que 2 minutes pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Je vais dire aux gens que c'est faux. Kamouan n'a jamais porté sur lui une seringue. C'était plutôt le manche de la poêle qui n'a rien à voir avec une seringue. La moindre des choses, c'était que pour éteindre tout ça sur la toile et qu'on se reconcentre sur le combat qui nous incombe tous, c'est la moindre des choses, c'est que ceux qui étaient sur le terrain, c'est à vous de prendre ne serait-ce que quelques messages, faire quelques petites courtes vidéos, même de 1-2 minutes, pour dire aux gens que, effectivement, ce n'était pas une seringue, pour éviter que ça aille dans tous les sens. Quand vous êtes sur le terrain, vous voyez des choses, vous voyez comment ça se déroule. La moindre des choses, c'est qu'à un moment, quand il y a des désordres et tout, que vous puissiez faire un témoignage et expliquer aux gens de façon claire que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je veux vous dire ce qui s'est passé. C'est pareil que moi, je suis venu ici sur la toile. Même s'il n'y avait pas peut-être beaucoup de gens en ligne ce jour-là, moi, je suis allé à Genève. Mais il y a peut-être des gens qui pensent que moi, je n'étais pas à Genève, justement parce que quand je suis arrivé à Genève, moi, je n'avais pas le temps de faire le direct. Moi, je suis venu pour le front, je suis venu pour choquer. Je n'ai pas fait 1500 km pour juste venir là-bas observer Genève et rentrer. Je suis venu pour une opération de coup de poing. Donc, quand j'arrive à Genève, j'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain. J'ai vu ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été racontées sur la toile après. Chacun montrait comment il était le ninja. Chacun montrait après comment ils étaient les plus forts. Chacun voulait dire ce que non, c'était moi le premier, c'était moi le ci, c'était moi le ça. On a même vu certains demander que versez-nous de l'eau. Pas versez-nous de l'eau parce que l'eau là, c'est pas parce qu'on est courageux, mais en quelque sorte parce qu'à un moment il faisait tellement chaud que même verser de l'eau sur quelqu'un, vu que c'était pas de l'eau chaude évidemment. C'était pas de l'eau. Les gens, à un moment même, se sont même sentis à l'aise en disant qu'il fait même tellement chaud, verser de l'eau. Mais j'ai vu sur la toile les camarades qui adorent les récupérations. Je ne vais pas citer les noms. J'ai vu beaucoup sur la toile qui sont revenus et qui racontaient du n'importe quoi dans leur direct. J'ai pris le temps de regarder. J'ai su même aller jusqu'à 5 mètres. C'est-à-dire que les 5 mètres, à peu près comme ça, là, à côté du hall de l'hôtel intercontinental, passant par le jardin derrière. Il y avait le jardin privé d'un monsieur, il fallait juste traverser la barrière et tomber juste à côté à zéro pas avant que les flics ne viennent bloquer. Je suis venu trouver les camarades là-bas, les Nicanor que vous avez vu l'autre jour, Nicanor Serge. Sergi Nicanor qu'on a arrêté l'autre jour à Paris encore. Il a dormi en cellule avant qu'on ne le libère le lendemain au tribunal. Je suis venu trouver ces gens-là là-bas avec un gars brun comme ça, avec d'autres camarades camerounais là-bas. C'est ceux-là que moi j'ai appelé les non-names, c'est-à-dire que les gars qu'on ne compte pas sur eux sur la toile parce qu'ils ne font pas des bruits. Mais quand on arrive sur place, oui, les gars sur le terrain sont tellement efficaces. Ils ont une telle efficacité sur le terrain au point où, mais je suis revenu, j'ai fait le live. Je n'ai pas fait le live pour parler des stars de la révolution, entre guillemets. Je n'ai pas fait le live pour parler de ceux-là parce que chacun s'attribuait que c'est grâce à moi. C'est moi qui avais fait ci, c'est moi qui avais fait ça. Salut à toi, camarade Kuala MBK. Je crois que tu as commis une erreur et il faut franchement que tu essaies de revoir ta publication de tout à l'heure. C'est de toi que je parlais tout à l'heure en disant qu'un camarade pour qui j'ai beaucoup de respect a pondu un live où il accusait Kamoa la Panthère d'avoir porté sur lui une seringue.
C'est pas honnête ça. Donc je tente de dire ceci. Mon devoir, j'étais sur le terrain. J'ai vu ce qui s'est passé à Genève. Je ne dis pas que j'ai vu 100%. Mais j'ai vu au moins 80 à 90% parce que tout ce qui s'est passé là-bas, j'étais presque à côté, je voyais tout. J'ai eu le temps de faire quelques photos, mais après j'ai remis mon téléphone dans le sac parce que ce n'était pas la peine. J'étais là pour une opération coup de poing. Mais je ne suis jamais revenu faire un live pour publier mes trucs en disant que sur le terrain j'étais trop fort, en montrant comment je partais prendre de l'eau, en montrant comment. Mais je suis revenu ici. Quand il y a eu certaines personnes qui voulaient faire des récupérations, j'ai été le premier à dire aux gens que arrêtez très vite parce que j'étais aussi sur le terrain. Ce que vous racontez parfois n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain. Donc la moindre des choses, je pense que ceux qui étaient là ce jour-là, ceux qui étaient là quand on arrêtait le camarade Kamor la Panthère, la première des choses, c'est de faire une vidéo, une, deux minutes, de dire aux gens que, effectivement, le camarade portait plutôt le manche, il avait le manche d'une poêle à main, il n'avait pas une seringue. Il ne faut pas confondre les gens. Je ne suis pas contre la basse jaune, ni contre la basse grise, ni contre corps, ni contre quel mouvement. Mais je pense encore ici que, en toute sincérité, et je pense que dans ce combat, je vais continuer de cette façon-là, que s'il y a la moindre chose à dénoncer, je serai le premier à le dire. Nous sommes pour une réconciliation. Je ne comprends pas comment on peut accuser le camarade Kamwa d'un côté et ceux qui étaient là sur le terrain sont pas capables de faire ne serait-ce que des courtes vidéos de 1-2 minutes pour dire que voici effectivement ce qui s'est passé et que vous accusez ce monsieur pour rien. Personne n'était là. Donc je ne suis pas pour ceux-là qui disaient que oui, on est venu vous battre sur votre propre terrain, là-bas ça fait ci, là-bas ça fait ça, là-bas ça fait ci, corps a fait ci, corps a fait ça. Ça, à un moment, vous commencez à fatiguer les gens avec. Moi, j'étais tellement content. Je vous le bout de papier que j'ai ici. Moi, j'avais préparé mon petit texte pour faire un coup live le lendemain de la libération des Amazones. Moi, j'ai même écrit ici la bonne nouvelle. C'est-à-dire, j'avais mis un titre, la bonne nouvelle. Et moi, je voulais vous raconter, vous dire ce jour-là que j'étais tellement content parce que après cette action, je pense qu'il y a eu une réconciliation entre les camarades combattants. J'ai parlé, j'ai intitulé ça là, comme ça, la bonne nouvelle. Et je voulais vous dire que désormais, on était sur le terrain avec les camarades et on a vu tout le monde était soudé pour la libération des Amazones. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on avait quand même, on a vu Kamwa, on a vu El Chenou, on a vu Max, on a vu tout ça. On a vu à un certain moment quand même, on a vu Salomon, on a vu. Ça veut dire que tous ces gens-là parfois, tous ces camarades de camarades combattants, pour certains qui sont bloqués et autres qui ont eu à faire des clashs interposés et tout. On a vu Calibri sur le terrain. Ça veut dire qu'on a vu dans l'ensemble comment ça s'est passé. Et j'espérais personnellement, pourquoi pas, Kuala, je serai au rendez-vous, pourquoi pas. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que j'espérais que derrière ça, il y ait une réconciliation et qu'on puisse relancer ce combat. Et je vais encore en profiter pour appeler tous mes camarades combattants, peu importe qu'ils soient blogueurs ou pas. Du moins, j'appelle ici, je vais citer nommément ici, parce que je pense qu'avec Max et les autres, ça s'est vraiment calmé et qu'on est reparti sur de nouvelles bases. J'appelle le général El Chenou et le commandant Calibri à mettre fin à leur guéguerre, parce que vous deux là, à vous seuls seulement, vous allez pourrir ce combat. Et vous avez même déjà commencé à le pourrir. Avec vos attaques à gauche, à droite. Je ne veux plus entendre parler de ce genre de choses. Personne n'est indispensable dans le combat que nous menons. Vous avez eu l'affaire des clashs à un moment, oui. Et récemment, avec l'action qui s'est passée, qu'on a menée, on se disait que derrière ça, il y aura une réconciliation. C'était même d'ailleurs très bien parti. Donc moi, je trouve que, oui, qu'il y ait une rencontre entre le général Wanto, Maître Touko, le frère Boris, Max, Calibri, et qu'on prend des photos, oui, bien sûr, mais sur la toile, c'est déjà un bon pas, c'est une bonne base déjà, je ne dis pas non. Mais que, par la suite, après avoir dit qu'on a mis dans la paix, moi j'avais même d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas les véritables protagonistes. Il y avait quelques camarades, bien sûr, mais ce n'était pas tout. La véritable réconciliation devait se faire et il doit avoir à la tête de cette réconciliation le général Wanto, combattant Kemta. Voilà les deux qui s'opposent, sauf que eux,
sont peut-être un peu plus en retrait parce qu'il n'y a que Kemta d'un côté qui fait des vidéos de temps en temps, qui fait des lives. Wand, on n'en fait presque jamais. Il n'intervient même presque, pas, presque jamais dans les lives, mais il est souvent sur le terrain. Il y a également le cas du juge général El Chenou avec Calibri. Je pense qu'il faut qu'à un moment, il y a eu aussi Nintu à un moment, et ça a causé des, pas mal de problèmes et autres. Il y a eu le problème d'investiture, problème de transition. Je pense qu'on a mis ça à côté et qu'on est reparti sur de nouvelles bases. Désormais, ces gens-là, même à un moment, on ne sait même plus comment se prendre avec vous. Peut-être qu'il faut même désormais croire plutôt aux Amazones. Parce que les Amazones, au moins, sont dans des actions, elles mènent des actions, elles vont au front, elles font des trucs. Et nous, on est là, on va voir. Soit on les applaudit quand on est là, on peut faire mener des actions ensemble. Mais si on ne peut pas être là, au moins, si on a le devoir de les encourager dans leur brillante initiative. Et j'ai toujours cru que ce combat, il y aura une femme. Vous allez vous rappeler un jour de ce que je disais toujours. Que celle qui va apporter la clé pour ouvrir et décanter la situation dans le combat que nous menons, que ce soit ici, que ce soit les autres entités qui luttent ailleurs, je pense et je crois jusqu'au bout qu'il y aura une femme qui viendra débloquer la situation. Les gens qui veulent jouer aux gros musclés, qui sont des hommes qui font des clashs tous les jours, et au final, quand on arrive sur le terrain, on observe quand même des choses incroyables. Mais je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'était un point assez important. On veut avancer, comme tu dis, Mike Ndongo. On veut avancer. Et à un moment, les gens qui viennent toujours. Parce que l'autre jour, on a mené l'action des Amazones que les Amazones ont mené l'autre jour. Mais c'était une action formidable. C'était une belle action. Le canal de Sardines et tout, ils étaient là. Ils sont venus quand même filmer parce qu'ils se disaient qu'on ne sait jamais. C'est une deuxième prise de l'ambassade. Oh, ils étaient venus manifester pacifiquement. Elles ont fait un petit sitting pendant quelques heures et elles devaient partir par la suite. Normalement, ce n'était pas prévu qu'il y ait ce désordre-là par la suite. Ce n'était pas du tout prévu. Il y a eu maintenant derrière ça des récupérations à gauche, à droite. Il y a des entités qui tentent toujours de dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à tel. Moi, je tentais de faire le live ce jour-là. Je faisais le live ce jour-là au tribunal de Clichy. Il y a des gens qui me disaient que c'est grâce à corps. Il y a ceux qui disaient que c'est grâce à la basse, c'est grâce au CCD, c'est grâce. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent se lever. Moi, je leur ai dit, ce n'est pas grâce à une entité. Ça s'est fait parce qu'il y a des Camerounais qui sont soucieux de la situation de leurs congénères. Ils sont soucieux de la situation de leurs compatriotes. Ceux-là qui se sont levés pour dire non à cette injustice. Parce que le gros risque maintenant, c'est que les actions que nous menons sont de plus en plus politisées par la France qui soutient de façon tacite et même d'ailleurs de façon ouverte ces derniers temps. La France soutient le régime en place. Et on a vu que la police française commence à tomber dans ce jeu-là. La police française commence à politiser les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on souhaiterait, voilà, avoir Calibri en pleine forme dans le combat. On souhaiterait avoir les frères, les Stéphane et les fils du planteur. On aimerait avoir elle chez nous, comme tu dis. Il doit juste rester humble, comme tu dis, Games Carole. Et qu'il est revenu de très très, il est revenu très très fort dans le combat. C'est arrivé au bon endroit, au bon moment. Il était à Paris pour ses vacances. Comme d'ailleurs, il n'hésite pas à prendre sa voiture de l'Allemagne et rouler jusqu'à Paris quand il y a des actions ou bien des choses à faire. C'est quelque chose à encourager. C'est une belle initiative. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble sans avoir besoin de nous cogner les têtes. Ça devient dégoûtant au fil du temps. Ça devient dégoûtant. Je vais donner vite fait la parole à quelques camarades combattants et après je vais continuer. Donc il y a Sergi Nicanor qui voulait parler, il y a aussi un certain Bloom, mais je ne sais plus, je vais donner la parole après. Il y a un certain Bloom aussi, donc envoie ton invitation. Ouais, salut Betty, comment tu vas, combattant? Je suis là, Nicanor, le non-name. C'est de vous que je parlais tout à l'heure, les non-name. Les gars qui ne sont pas stars sur les réseaux sociaux, mais quand ils sont sur le terrain, ils frappent fort.
Non, frère, tu sais, j'ai suivi Moïse, après je t'ai pris un peu en retard, mais ce que tu es en train de dire là, vraiment, c'est très, 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 très instructif, parce que vous allez m'excuser, hein. Je vais seulement faire comprendre aux Camerounais qu'on doit arrêter de se cogner les têtes. Parce que vous savez, il y a des gens vraiment qui sont motivés, ils se donnent à fond pour ce combat. On n'a pas besoin, il y a certains gens qui sont là, comme ce que tu fais, c'est un truc. Et ça, les gens doivent respecter ça. Mais il y a une chose que je vais dire aux Camerounais, le fait de se cogner les têtes tous les fois, vraiment, ça tue le combat. Essaye de bien fixer. Prends ton temps, tu fixes bien avant de continuer. Attends, donne-moi une minute là, s'il te plaît. Bon, je vais même garer là parce que je suis en train de rouler là. Je vais essayer de garer, là c'est mieux. Pour ne pas emmerder un peu. C'est mieux maintenant, t'écoutes, vas-y. Voilà, comme j'étais en train de t'expliquer, il y a des gens que dans ce combat, ils sont vraiment, ils nous soutiennent. Mais avec tous ces guéguerres qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment, ça sape la morale des combattants. Ce n'est pas vraiment encourageant. On n'en a pas besoin de ça actuellement là. Alors, c'est que, bon, par exemple, il y avait le direct de Colin tout à l'heure, ça s'est coupé. Ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent qu'on avait coté, quoi que ce soit, je crois qu'ils ont les liens des responsables qui géraient cet argent. Il les envoie les messages inbox, il les demande où les comptes rendus, le bilan, on les donne. Nous, on n'en a pas besoin de ça pour l'instant. Il y a Machu BBC qui a lancé un appel pour que les enfants rentrent à l'école. C'est de ça qu'on devait parler. Comment faire Voilà. pour aider les gens qui vont rentrer à l'école cette année-ci là? Nos frères anglophones qui ont fait 3 ans, il n'y a pas d'école là-bas. C'est de ça qu'on devait parler. De ça qu'on devait se motiver. Pour voir comment nous, ici à la diaspora, on doit faire pour que ces enfants-là aillent à l'école. Parce que c'est nos frères, nos enfants, nos soeurs et nos frères. Mais on est là assez tiraillé pour j'avais fait, celui-ci avait fait, oh, c'est moi qui étais devant. On n'en a rien à foutre avec ça. On en a rien. Joyeux. Oh là 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 là, désolé de t'interrompre quelques secondes. Il y a ma mère Karine Gambet qui me dit santé pour mon anniversaire. Je ne savais même pas que Mais c'était tu son avais anniversaire. l'anniversaire aujourd'hui, tu n'as même pas dit aux gens, mais tu n'es pas sérieux, ça. Happy birthday, ma mère. Happy birthday à toi, Karine Gambet. C'est la Ah maison de la résistance. Ça, c'est la maman de la résistance. voilà, tu vois, Je laisse c'est continuer. d'accord. Donc, c'est ça qu'on a besoin maintenant. Parce qu'on a des objectifs. Et je crois qu'à l'avenir, il faut qu'on essaie de fixer les objectifs qu'on doit atteindre. Parce que la dernière fois, tu as lancé un litige parce qu'on devait faire pour envoyer ceux qui sont au Cameroun. Nous, ici en Europe, même si quelqu'un te débrouille, il en est bien. Ceux qui étaient en prison et qui devaient être jugés le 6 août, on a finalement renvoyé le 16 septembre, je crois. Tu vois. J'ai essayé de discuter avec eux. On a fait le tweet ici. Donc, J'espère, peut-être quand tu parles, ça me rappelle même. Je vais te remettre encore le PayPal à voilà, Mr. tu vois, Jacob. on est les, nous sommes Il y là. a même le général chez nous qui est venu ce jour-là. On en a parlé. Voilà. Et Nous après tout sommes ce là temps à qu'on a faire des passé, directs. il y avait des centaines de gens, plus de 400 à 500 personnes en ligne ce jour. Et on Ah, a tu vois. récolté combien? J'ai récolté 66 euros. Ah, Tu te tu rends vois. compte? Et on est là à faire des 66 directs, euros. des bavardages. 70 euros, ça va faire quoi au Cameroun pour les enfants? Nous, on a une grande campagne que les gens devaient faire les directs pour mobiliser les gens. Mobiliser la diaspora pour qu'on se soutienne. Mais nous, les Camerounais, on est trop égoïstes. Il faut qu'on leur dise la vérité. Quand on met les lives, ils sont dans les 5 000, 6 000 dans les lives. Quand il faut faire les actions, encourager les gens, viens les voir dans le 18e en train de boire la bière. Ils boivent, ils partagent. Ils dépensent des centaines d'euros dans l'étude. Mais sortir 10 euros, motivés pour qu'on encourage les gens au Cameroun, ils n'en ont rien à foutre. Va voir les Maliens. Quand les Maliens disent qu'il y a un problème, il faut cotiser. Mais tout le monde se mobilise. Tout le monde. Mais nous, Tout les le Camerounais, monde. viens les voir dans les restaurants camerounais au 18e. Ben, tu te parles un truc. Si tu veux, je vais te faire une vidéo dans les restaurants camerounais. Tu vois comment les Camerounais bousillent l'argent. Mais si tu dis que sors 10 euros, tu donnes pour une bonne cause, personne va le faire. Mais ils viennent nous pomper la tête. Je. On en a vraiment rien à foutre de ça. À un niveau, mais franchement. Et aujourd'hui encore, c'est samedi, aujourd'hui c'est gâté. Tous les Mais c'est mandats grave! phares du Cameroun, c'est bloqué. C'est grave!
Il part maintenant, il n'y a même pas de place. À 18h, il n'y a plus de place. Attends, sois sérieux là, on est où, on va où là? Mais les gens meurent au Cameroun, on est où? Hein? Mais sois sérieux. Prenons nos responsabilités. Pourtant, je dis qu'à partir de maintenant, des gens qui font les lives pour faire les récupérations, on en a rien à foutre de ça. Toi, tu me croyais depuis dans ce combat, Betty. Tu m'as vu faire un live un jour, j'en ai rien à foutre de ça. Et à un niveau, avec tous ces guéguerres que nous, on a dans la base, j'ai failli me décourager. Alors, je me suis dit, si moi, je me décourage, c'est que ces gens-là ont gagné. Parce que c'est l'objectif qu'ils visent. Je ne suis pas là pour eux. Et j'ai dit, j'ai clair, le jour quand il y a qui le pouvoir, mon le président Moïse, j'arrête. Mon point, c'est qu'il n'y a pas. C'est tout mon problème. Dès qu'il y a qui le pouvoir sont dans l'instance, c'est tout ce que je veux. Donc, il faut que mes frères camerounais prennent conscience de telles choses. On a un objectif à atteindre. Et s'il te plaît, Betty, c'est que votre avait voulu que ne plus faire le litchi. Mais nous te demandons ça parce que si tu peux mettre un litchi là, par rapport à la rentrée scolaire, parce qu'on en a presque à moins d'un mois pour la rentrée, qu'on mobilise les fonds. Même ça donne même 200 euros qu'on puisse envoyer au Cameroun pour aider les gens. Parce que c'est très important. Tous ces bavardages de GG, on en a rien à foutre de ça, honnêtement. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Je te donne la parole pour que tu puisses continuer avec d'autres personnes. Merci. Merci à toi, Sergi Nicolas. Ok, d'accord, on sent. Voilà, voilà. Brave camarade de combattant. J'ai oublié, bon, il est parti. En ce qui concerne les litiges et autres, moi, je me rentre. Celui que moi, je viens d'épingler. C'est celui que je viens d'épingler. Je n'entre pas dans les affaires à gauche, à droite. Déjà que moi-même, je suis. Ma tête commence à chauffer pour certaines choses, pour les enfants, l'association dont je suis le parrain à l'extrême nord de l'orphelinat, des enfants de Isma. Donc, il y a tellement de choses là-bas à gérer. Il y a une sœur ici. Que je salue d'ailleurs Nini Gini qui m'avait appelé, elle m'a dit bon ok je t'envoie l'argent pour que tu fasses pour que tu transfères la valise de comprimés au Cameroun. La valise de comprimés est arrivée récemment et j'ai encore envoyé l'argent à la dame il y a quelques 3 jours pour qu'elle puisse retirer le colis et pour qu'elle puisse prendre ça de Yaoundé pour envoyer à pour transférer à l'extrême nord. Donc tout est en train d'être fait. Quand elle va recevoir, encore une fois ici, elle va faire des photos comme d'habitude. Elle va envoyer, récemment, elle m'a encore envoyé des photos et des petites vidéos. Je vous avais annoncé le décès. Je vous avais malheureusement annoncé ici le décès d'une petite là-bas qu'on appelle le Pouaga, qui était d'ailleurs parmi les enfants. Je suis en train de parler de leur cas ici récemment en disant « Volez au secours de ces enfants quand vous pouvez ». Elle est décédée de quoi? Elle est décédée de quoi, pardon? Décédée du VIH-Sida parce que tout simplement... l'enfant a été abandonné, l'enfant avait 4 ans déjà, et puis l'enfant ne pouvait pas grandir dans des bonnes conditions. C'était compliqué pour manger, il fallait suivre son traitement antirétroviral. Voilà comment on n'arrive pas à garantir le sourire à nos enfants. Voilà dans un pays en 2019, les enfants naissent encore avec le VIH. Pourtant, cette histoire est terminée dans toutes les contrées du monde. Dans toutes les contrées du monde, on n'entend plus parler des enfants qui naissent avec ce virus. Il suffit tout simplement de faire des visites prénatales et qu'il y ait derrière ce qu'on appelle un suivi de grossesse. S'il y a un suivi de grossesse, l'enfant naît évidemment étant épargné du VIH. Qu'est-ce qui se passe dans notre Cameroun? Est-ce que ça interpelle les gens? Est-ce que les gens se posent des questions? Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je me bats pour ça. Que les stars, d'autres qui se prennent pour les héros du combat, de la résistance que nous menons, à un moment se prennent la tête avec X ou bien Y. Parfois, j'en parle, mais ça m'énerve tellement que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parfois, je préfère avoir mes 100 personnes, 200 personnes en ligne. On parle des choses qui concernent parfois le combat dans un autre sens. Parce que parfois, on en a marre. On en a marre des gens qui disent aujourd'hui, oui, la hache de guerre a été enterrée. Et le lendemain, ils reviennent encore avec d'autres sujets à polémique. J'ai l'impression même qu'ils existent et ils ne se sentent exister qu'à partir des sujets polémiques. C'est un truc incroyable. Donc, je vous parlais donc de ces enfants. Le dernier don que j'ai envoyé récemment, la maman m'a encore envoyé des photos, elle m'a envoyé des vidéos. Et je vais partager encore avec vous. Le PayPal est encore en ligne. C'est grâce à vous que tout ceci arrive. Donc, si ces gens-là parviennent à manger, c'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas, faites toujours le don. Voilà le PayPal qui est toujours disponible. Je récolterai toujours les fonds comme d'habitude et je vais envoyer. J'attends encore qu'elle me renvoie une ou autre vidéo. Et je crois qu'au deuil de la petite qui a été enterrée, il y a quelques jours, je pense qu'elle va m'envoyer peut-être
quelques photos ou bien quelques petites vidéos. J'attends ça en tout cas. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il y a tellement de trucs qu'il faut faire, des trucs bien plus importants qui sont à côté, mais on ne s'intéresse pas, on passe le temps à raconter du n'importe quoi. Voici le dernier don. Donc pour ceux-là qui cotisent dans la cagnotte, pour que vous sachiez à quoi votre argent sert. Et je suis le premier toujours à rendre compte de l'argent public, parce que ce n'est pas forcément mon argent. Même si de temps en temps, je rajoute toujours tous les mois, c'est une obligation. J'ai deux enfants dont je suis le parrain. Donc j'envoie toujours l'argent. Je suis le parrain de deux enfants. J'envoie l'argent. Donc la dernière photo qu'elle m'a envoyée, c'est quand j'ai envoyé le dernier don récemment. Elle est allée, elle a donc acheté tout ce qui est. Faut bien que les gens voient là. Elle a acheté des sacs de riz, de sel et tout, du diamaor, du savon. Elle a acheté tout ça. Et elle était avec les enfants. Ils ont organisé une petite fête. Elle a encore acheté des trucs. Elle a cuisiné pour ses enfants. Donc, ceci, c'est grâce à vous. Mais regardez la quantité. On a juste à peine deux sacs de riz, un peu de trucs au-dessus. Par rapport au nombre d'enfants, on est clair que ça ne peut même pas tenir une semaine. Pourtant, on a nos frères, on a nos sœurs, on a des Camerounais qui peuvent faire des gestes. On a des frères qui peuvent faire des dons. Je me bats ici pour ça tous les jours. J'accepte l'humiliation. J'accepte même parfois vos insultes. Les gens m'insultent ici que je suis devenu le roi des litchis. Comme si je prenais ça pour mettre dans mes poches. Mais j'accepte les insultes de ces minables-là. Pourvu que vous envoyez l'argent. Si je m'humilie moi pour que ces enfants-là aient le nécessaire là-bas, pour moi c'est un combat gagné. C'est une bataille qui est gagnée. C'est un point de plus. On va m'insulter, moi, Bertie, ça va faire quoi? Quand j'insultais Fleur de Lys, moi aussi, j'ai déjà eu à insulter les gens. Donc, les autres aussi m'insultent, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent balancer sur ce qu'ils veulent, sauf qu'ils ont toujours cherché. Ils ont déjà cherché des choses compromettantes sur moi. Ils n'ont jamais trouvé. Donc, si je prends ces insultes-là sur moi, juste pour soutenir, pour récolter des fonds et aider ces enfants, je suis capable de le faire. On était là à plus de 300 personnes parce que je parlais de elle chez nous, je parlais de Calibri. Voilà les Camerounais. Comme j'ai jamais profité pendant 10 minutes pour parler maintenant du combat qui est plus important que Calibri et elle chez nous, c'est en train de baisser déjà tout le monde part parce qu'il n'y a plus le Congo. Ça, quel peuple! Quel peuple! Le peuple noir ne fait que m'étonner. Le peuple noir, franchement. Comme j'ai arrêté avec le Congo, ça maintenant, ils sont en train de partir, ils se disent, ah, car celui-ci raconte quoi? Si je recommence avec l'histoire de Calibri et autres, ils vont revenir. Donc voilà toujours les fruits, voilà toujours vos dons. Et la maman a fait plusieurs vidéos, j'ai déjà montré ça une dizaine de fois ici. Donc voilà ce à quoi ça sert. Et merci au commandant des airs, ça c'est lui qui il m'a fait ce flyer magnifique là, j'aime bien ce flyer. Voilà. Donc, on va donc continuer. La ligne était bien sûr ouverte hein, pour ceux qui veulent prendre la parole. Il y a j'ai reçu deux, trois invitations tout à l'heure. Donc, si vous voulez prendre la parole, renvoyez votre invitation, je vais vous prendre. Voilà. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait parler. Oui, appel. Je sais pas, il y a quelqu'un. Oui, appelle ici et puis je vais te passer. Donc, pour celui qui voulait prendre la parole, je lui donne la parole. En train de charger. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent nous rejoindre, ou bien ceux qui étaient là depuis, qui n'ont pas partagé, partagez massivement le direct, partagez et invitez le maximum de personnes. Aminata Diallo, salut à toi, le Mali. Salut depuis, je ne sais pas, Bamako. Il n'y a pas que Bamako d'ailleurs. Il y a Kaï, il y a Sédou. Sédou, c'est là où il y a notre père à nous tous. C'est Hamissa Doumbia, le colon. Donc, c'est en train de charger, on va prendre quelqu'un d'ici quelques secondes. Vraiment un sangalon, mais qui est capable de faire beaucoup de choses. Il y a donc, je prends quelqu'un d'autre, Caroline Cuillère, ça va charger. Essayez de repartager massivement le direct.
Je disais, il n'y avait pas que Bamako, il y avait Niafungi également, je crois. Niafungi, village de Khalifa Katouré. Moi, j'aimerais bien visiter le Mali, j'adore. J'aimerais vraiment visiter le Mali. J'aimerais visiter la grande mosquée Djengariba, j'aimerais aller à Djéné, j'aimerais aller partout au Mali visiter. Alors, ça ne passe pas pour le moment. Je continue en attendant d'autres invitations. D'autres invitations pour le moment. Je vous envoyer encore le refus. Donc, j'ai supprimé toutes les invitations. Pour ceux qui veulent passer, renvoyez de nouveau vos invitations. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le dernier don à la maman. Elle nous a ramené quand même. Elle m'a fait un compte rendu et elle m'a dit que la prochaine fois, elle enverrait d'autres vidéos. J'attends donc ces prochaines vidéos et je reviendrai toujours vers vous vous rendre compte parce qu'il ne s'agit pas de mon argent, mais il s'agit de l'argent public. Donc, pour ceux qui font des dons de temps en temps, voilà comment ça fonctionne. Dès que je reçois, je fais des retraits, je les envoie, on fait des courses avec, on vient de poser à la maison, on fait des vidéos, on vous dit merci, merci à la diaspora et on appelle encore la même diaspora à cotiser. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu un petit souci à ce niveau. J'ai oublié complètement de... Une seconde. Voilà, on va continuer. Salut à toi, Stevie Sam. Bon, maintenant on va. Voilà, je me suis. Voilà, merci. Je voulais prendre une vidéo et puis c'est fait. On va continuer. Partager le live pour que ça puisse remonter. Partager et réinviter le maximum de personnes. Je suis allé sur WhatsApp, malheureusement, c'est sur le même téléphone. J'ai donc cherché la petite vidéo, je reviens là-dessus. Repartager massivement, inviter encore le maximum de personnes. Oui, salut combattant. Comment va? Je ne porte pas le Voilà, non, le Cameroun va très mal. Tu ne portes pas comme le Cameroun. Bon, donc, Il faut que tu te portes très bien. Mon frère, il y a, je ne sais pas, j'ai juste un mot à dire. Il faut un rassemblement. Il faut que les gens cessent de combattre l'un et l'autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut que les gens, parce que quand je vois que les combattants sont en train de mener les combats dans les différents fronts, peut-être il y a l'autre qui sont en train de qui est en train de te combattre, l'autre en train de te combattre, l'autre, et les gens ont perdu, ils ont perdu ce qu'on appelle en anglais focus. C'est très mauvais. Tout ce que je voulais dire, c'est il faut qu'on apprenne à accepter ce qui est bon et on laisse ce qui n'est pas bon. Bon, c'est les unity maintenant, ce qu'on appelle unity qui fait qui doit faire la force maintenant. Parce que je viens de suivre une vidéo de combattant Kenta, l'autre de Tajo Martin. Tout ça fait quoi, non, mon frère? C'est pourquoi on a réussi à vous diviser, c'est ce que je peux dire. Ils ont réussi à vous diviser, à nous diviser. Ils ont réussi à nous diviser. Voilà. Et maintenant, comme les intellectuels que nous sommes, pourquoi acceptons ça? Acceptons ça veut dire que nous... Bon, comment est-ce que je peux dire? C'est comme si nous n'avons pas le cerveau. Crois-moi, acceptons ça veut dire que nous n'avons pas le cerveau. Je sais ce que je parle. Depuis que l'affaire s'est commencée, j'ai appelé Max. Je lui disais, ça fait 3 ans aujourd'hui. Moi, je suis un anglo-franco. Moi, j'ai vécu avec les anglophones. Je connais bien comment les anglophones fonctionnent. J'ai parlé à Max que donc, tant que l'affaire ne cesse pas, les anglophones vont mourir eux tous. Sans laisser. Je répète encore, ils ne vont plus. Les anglophones ne vont jamais lâcher ça. Bon, maintenant, au côté francophone, là où je suis né, je me dis toujours. Donc, nous les jeunes Camerounais aujourd'hui, je ne sais pas comment nous on raisonne.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses chez les anglophones. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on le sent. Ou c'est la colle que la brasserie avec les Kadji, avec les UCB, quoi, nous a troublé la tête avec, je ne sais vraiment pas comment nous on raisonne. Les gens sont en train de souffrir. Personne ne peut se lever pour dire que moi je suis en train de souffrir. Regardez ce qui se passe à l'Est. On a vendu sur la terre aux Chinois. J'étais en train de suivre une vidéo là. Un reportage de TV5. Ils ont vendu sur le terrain. On est là, on paye les gens 1000 francs. Ils n'ont même pas les matériaux pour travailler. Et ils acceptent toujours. On dit ayop, 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 ayop. Après, il part tomber dans la boue. Il accepte toujours. Qu'est-ce qu'il faut? La mentalité des Camerounais, nous sommes vraiment comment? Nous sommes vraiment comment? Ce que les Anglophones sont en train de faire. Ils sont en train de se battre pour leur liberté. Pourquoi nous, les autres, nous, les francophones, ne pouvons pas se lever? Vraiment, je me compte parmi les francophones, parmi les anglophones. Ben, côté francophone, je me compte, donc moi-même, je ne sais pas, peut-être je suis un lâche. Pour te dire la vérité, combattant, peut-être moi, je suis un lâche. Parce que je n'ai pas encore vu comment est-ce qu'un monsieur qui a 80 ans, c'est peut-être 100 ans, peut réussir. Je ne sais pas comment le monsieur-là peut réussir à réfléchir plus que nous tous. Je ne vois pas comment. Parce qu'il est en train de réussir, pour te dire la vérité. Si tu appelles Marc, Marc va te dire. Si tu appelles Tajo, Tajo va te dire. Je les ai dit. Que essayons, même si c'est pour asseoir, il faut qu'on a une petite réunion là, on parle entre nous. Parce que ce qui est en train de passer dans la réseau sociaux, ils sont en train de réussir. Ils sont même déjà réussis. Ils lui disent maintenant, ayop, 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 ils sont en train de se combattre entre eux. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois, les anglos, la même chose se passe chez les anglophones, mais par derrière, ils savent comment eux, ils réussissent à faire les choses. Crois-moi. Crois-moi. Je ne sais pas. Moi, j'ai mes petits frères, je les appelle eux tous les lâches chez les francophones. Comment tu es là, tu souffres. Je suis en Europe, je les envoie de l'argent. Je ne vais pas prendre, oh, grand frère, ça ne va pas. Moi, je les supporte. Je suis, mon frère, je me prends déjà, je suis déjà fatigué. Bon, il faut qu'eux, ils sortent pour chercher leur avenir. Moi, mes enfants, je ne veux pas laisser mes enfants pour m'occuper d'eux. Il faut qu'eux, ils sortent. Mais d'abord, chez nous, ici, au diaspora, on doit nous rassembler. On doit éviter les... Comment on appelle ça? Évitons les aside. Focus. Je te laisse, voilà, je dis focus. Forget about our side. Let's focus. People should focus. Stop this division. Let's focus. What is happening? This man is saying this, that one is saying that, the other one is saying that. This is you. I'm really tired, my brother. If we cannot, let's accept our defeat and sit down. Finish. Si nous ne pas. Oui. Au revoir. Alors, ça dérange actuellement. Ça dérange quand je vous parlais tout à l'heure. J'espère que maintenant vous m'écoutez bien. Après, il y a une vérité d'un côté hein, sur le sujet, mais je ne voulais pas parler au même moment parce que ça fait un gros bruit derrière. Il y a une vérité derrière, c'est que oui, les Chinois achètent des terres chez nous. Oui, les Chinois maltraitent les populations. Oui, il y a des populations qui ont été dépossédées. Et derrière, oui, le gouvernement ne fait rien pour soutenir ces populations. Ils ont gardé cette terre sagement depuis des centaines d'années. On est d'accord là-dessus. Mais il y a une chose toujours qu'il faut se poser, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi toutes les vidéos et tous les reportages qui sont faits en Afrique, dans les zones qui sont exploitées par les Chinois, pourquoi toutes ces vidéos sont faites plutôt par des Français, c'est-à-dire si ce n'est pas TF1, ça sera TV5, ça sera Canal+, pourquoi ce sont les Français qui ont tout intérêt à faire plusieurs vidéos en Afrique pour montrer que les Chinois sont en train d'exploiter notre sous-sol?
Pourtant, les Français eux-mêmes exploitent le sous-sol africain depuis très très longtemps, depuis des siècles. Mais maintenant, comme les cartes ont été redistribuées, on a les Turcs qui sont arrivés, des Russes qui sont arrivés. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez parfaitement. Je disais qu'il y a les Turcs qui sont arrivés, il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a même des Indiens. Ça dit que comme les cartes ont été redistribuées et que maintenant, ce n'est plus que l'Afrique n'est plus la chasse gardée des Français, il faut bien comprendre pourquoi les Français ont tout intérêt à pondre des centaines de vidéos partout en Afrique pour montrer que les Chinois sont en train d'exploiter notre sous-sol. Pourtant, les Français le font depuis des siècles. C'est une question simple. C'est aussi simple que ça. Ça me gêne particulièrement qu'on exploite le sous-sol camerounais et qu'on ne reverse rien aux populations. Ça me choque. Mais il y a les mêmes Français qui exploitent le bois dans notre pays. Il y a le même Français qui décide de notre système éducatif. C'est le même peuple français qui décide de notre monnaie. C'est le même peuple français, ce sont les mêmes dirigeants mafieux français qui décident, qui ont Bouygues Télécom chez, qui ont Bouygues chez nous, qui ont les réseaux Orange. C'est les mêmes toutes les plus grandes multinationales qui exploitent le sous-sol camerounais sont des multinationales françaises. Mais pourquoi maintenant, pourquoi justement être jaloux quand les autres concurrents sont arrivés? Laissez les Chinois faire leur travail. Laissez les Chinois faire leur travail. Les Chinois au moins se sont arrivés. Il y a eu du gré à gré. Les Chinois se sont entendus, même si on va dire que oui, les Chinois se sont entendus avec quelques membres du gouvernement qui versent l'argent dans leur poche. Je suis d'accord pour ça. Et même d'ailleurs, la Chine a proposé autre chose en disant « Je prendrai tel espace de terre et en retour, au lieu de vous verser de l'argent en espèces, je vais vous construire des terrains de football, même si ce n'est pas le plus important dans un pays. Je vais vous construire des centres de santé, je vais construire des écoles. » Et on est en train de voir les réalisations de la Chine partout en Afrique. Les Chinois sont là pour leurs intérêts. Il ne faut pas se tromper. Ils ne sont pas là parce qu'ils adorent le peuple camerounais. Ils ne sont pas là parce qu'ils adorent les Africains. Les Chinois sont là pour leurs intérêts. C'est maintenant à nous de lutter. C'est à nous dirigeants. C'est à nos dirigeants africains de traiter avec eux dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est tout ce qu'on demande. Ils ne viennent pas en Afrique pour nos beaux yeux. C'est aussi simple que ça. On a vu récemment un Chinois blesser un Camerounais gravement en plein cœur. Je ne sais pas si c'était de Douala ou de Yaoundé. Les gens étaient là pour dire qu'il faut que tu lui rendes. Pourtant, ça aurait été en Chine. Tous les Chinois se seraient déversés sur le nègre pour le tuer. Il n'y a pas de sentiment à ce niveau. Les Chinois sont là et c'est clair, ils sont là pour leurs intérêts. C'est à nous de renégocier les contrats avec eux. C'est à nous de négocier les meilleurs contrats pour l'intérêt de notre peuple. C'est à nous d'exiger, d'imposer aux Chinois. Ok, on va vous laisser le manganèse, on va vous laisser les forêts, on va vous laisser ceci. Mais en retour, au lieu de verser l'argent dans le compte de Bia et ses sbires, on va donc, les Chinois vont construire des centres de santé, des autoroutes, des écoles. Voilà tout ce que nous demandons. C'est à nous, Camerounais, de nous battre. Donc, comprenez toujours, les Anglais ne le font pas. Très peu sont les autres qui le font. Les Américains ne le font pas. Les Russes ne le font pas. Mais demandez-vous pourquoi il n'y a que les Français, il n'y a que des Français pour descendre en Afrique, tenir les caméras, filmer et démontrer aux yeux du monde entier que la Chine est en train d'exploiter l'Afrique. C'est un faux débat. Les Africains qui tombent dans ça, c'est leur problème. La Chine a apporté énormément à l'Afrique. Et ce n'est même pas à la Chine de venir en Afrique. Je rappelle que tous ces contrats qui sont signés, c'est justement parce que ce sont les dirigeants africains qui vont taper les mains en Chine pour avoir l'argent. Ce n'est pas la Chine qui vient draguer l'Afrique. C'est important de le retenir. Ce n'est pas les Chinois qui viennent draguer l'Afrique. La Chine échange 45% de son commerce extérieur, de ses échanges extérieurs avec les pays voisins. Ils font profiter leurs frères. Bien qu'on dise que les Japonais sont leurs ennemis, les Coréens et autres, tout ça, ils partagent d'abord avec l'environnement, c'est-à-dire que tous les peuples qui sont comme eux, si vous voulez, les peuples centodermes, les jaunes, comme on appelle, 45% de leurs échanges, à peu près 17% avec toute l'Europe, 17% de leurs échanges avec l'Europe. L'Afrique, ce n'est même pas 5% d'échanges extérieurs de la Chine, à peine 4,5 quelque chose. C'est à nous d'aller les supplier. Tout se décide désormais en Chine. Même les Européens, on a vu récemment, vous avez vu la vidéo de Macron. Quand Macron vient au Burkina Faso, c'est ce que je disais dans mon live l'autre jour quand j'étais à l'ambassade du Cameroun. On a vu le même Macron venir donner des ordres en Afrique. On a vu le même Macron venir insulter le peuple noir, dire que les femmes africaines ne doivent pas faire ci.
En fait, quand il vient en Afrique, il vient en terrain conquis, il vient donner des leçons. On a vu le même Macron dans un bureau, en train de bûcher les mots, en train de mémoriser les mots en langue chinoise pour venir saluer le peuple chinois, saluer le président chinois Xi Jinping, à chercher à épater le peuple chinois. Pourtant, il n'a pas fait pareil quand il est arrivé dans plusieurs pays africains, justement parce qu'il vient en tant que le maître, il vient en tant que donneur de leçons. C'est à nous de le comprendre, c'est à nous de le retenir. Quand ils vont ailleurs, ils se comportent différemment parce qu'ils n'ont pas affaire aux fainéants. Nous, on a des dirigeants dans nos enclos coloniaux qui se comportent comme des chiens et ils veulent que par la suite, on les respecte. C'est impossible. C'est impossible. C'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. Donc, j'ai conclu là-dessus. Il y a d'autres qui disent comment on ne vend pas les terres à l'ouest. Les Bamileke à l'ouest du Cameroun ne décident sur rien. Il peut se lever un matin. Tout est centralisé. On n'est pas dans un état fédéral où chaque fédération décide de s'auto-gérer. Et même jusque-là, quand on s'auto-gère, il y a toujours des comptes à rendre en fin d'année au pouvoir central. Donc, Biapé décide un matin, il dit qu'il va vendre tout Badjoum. Les Américains n'auront aucun mot à dire. Il peut vendre un matin, je ne sais pas, Bafoussam à n'importe quel Chinois. Et vous allez seulement rester un matin, on va venir détruire, vous dire que dégagez les lieux parce que votre président. Et c'est ce qui s'est passé dans la vidéo avec, à l'Est Cameroun. Quand les gens viennent se plaindre auprès des Chinois, les Chinois disent que non, nous on n'y est pour rien. Allez voir avec Yaoundé, c'est Yaoundé qui nous envoie. C'est aussi simple que ça. Que les Bamileke arrêtent de dire sur la toile que pourquoi on va aller ailleurs, on ne vend pas chez nous à l'ouest. Les gens ne décident pas sur la terre à l'ouest. Hein. La terre à l'ouest n'appartient pas au peuple de l'ouest. Hein. C'est Bia qui décide. S'ils décident de vendre, vous n'allez dire rien, dire, vous n'allez pas vous opposer à Bia, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a une autre vidéo assez intéressante que je vais débriefer avec vous. On est dans une situation très, très compliquée. Voilà les choses qui se passent dans notre pays. Hein. Je vais vous montrer la vidéo d'une brave sœur qui a, malheureusement, elle a 23 ans, mais elle a l'air d'une fille de 14 ans à cause de la maladie. Je vais revenir avec une vidéo plus propre, plus précise à partir de demain, je crois. On va diffuser sur la toile si les gens peuvent cotiser, si les gens peuvent l'aider. Mais elle est dans une situation compliquée. Même si de temps en temps je parle d'autre chose, j'aime bien revenir sur l'essentiel parce que c'est ça qui me motive de faire mes lives. Même s'il n'y a que 100 personnes, 200 personnes, je fais avec. Parce que le message que j'ai envie de passer est un message important ici. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Elle est assez choquante la vidéo et vous allez voir une très jolie fille de 23 ans qui ressemble à une fille de 14 ans, qui s'exprime d'ailleurs très bien en français, qui écrit, elle a une belle main d'écriture et tout, elle a tellement de choses à nous apporter, mais depuis combien d'années elle est rongée par la maladie, elle a même été abandonnée par sa propre famille. Je vais vous mettre la vidéo. On y va. Et son anniversaire c'est aujourd'hui. Happy birthday à toi ma soeur. Pour
retrouver la santé. Salut. Les médicaments sont excessivement peu. Donc, qu'est-ce que tu prends comme médicament? Tu prends le traitement. Monsieur Amédée Toukou, salut à toi. Bon, le traitement, ça coûte environ près de 400 000 euros. Et allant de 2 ans à 5 ans de traitement. Dans ce traitement, il y a le Pentasa, 500 000. Il coûte quand même 7500 euros. Traitement d'un mois. Non, cela fait 12 jours. 12 jours. Oui, parce que je prends 2 matins, 2 midi, 2 soirs, 2 jours. Oui. Il y a le Pentasa, 1 gramme. Chronique de l'intestin. Ça veut dire que tu as l'ulcère dans le mal d'estomac, tu as problème d'appétit, retard prolongé de croissance, anémie générale. Ça veut dire que tu es toujours couché. Et comme je ne prends pas les médicaments, je suis toujours enrichi. Ok, quand tu enrichis ton talent, on t'interne. Donc il faudrait que tu prennes des médicaments régulièrement. Ok, d'accord, je vais passer ton message, je te souhaite déjà bon rétablissement. Je vais essayer de voir avec mes amis comment est-ce qu'on peut te venir en aide pour acheter une partie de tes médicaments. D'accord, bon courage. Ah, les Camerounais, pendant que montaient la vidéo, ils sont un peu tous partis. peu Camerounais, oh, les Noirs, le problème. Les Noirs, on a vraiment un gros problème. Si j'engage maintenant elle chez nous, Calibri, ils vont revenir tous. Comme je montre la situation d'une sœur qui est en difficulté, qui est malade, voilà une jolie fille qui s'exprime admirablement bien. Elle a 23 ans, elle est en difficulté, des gros problèmes de santé. Et l'État n'a rien fait pour s'occuper des... Pour, il n'a rien prévu pour s'occuper des cas aussi urgents. Voilà une fille qui est en souffrance, elle a arrêté ses études. Son père l'a abandonnée, elle ne sait même pas où aller, elle ne sait pas où mettre la tête. Elle est venue voir une sœur, Kenza Market, en lui disant que ma sœur, s'il te plaît, aide-moi, mon anniversaire c'est aujourd'hui. Pardon, je vous en supplie, cotisez pour moi pour que je puisse faire mon anniversaire. Est-ce que ce n'est pas touchant ça? Est-ce que ça ne fait pas mal quand on voit ce genre de choses? Est-ce que ça ne vous touche pas? Vous avez quel genre de cœur? Il y avait 200 personnes, mais comme je suis en train de montrer un truc qui parle d'un problème très important, il y a plus de 60 personnes qui sont parties. Mais si je reprends le Congo, ça, ils vont revenir. Imaginez que c'est votre femme. Imaginez que c'est votre sœur. Imaginez que c'est votre petite sœur. Imaginez dans quelle situation elle se trouve. Voilà notre Cameroun. Et c'est les questions que je me pose. Voilà notre Cameroun. Biya n'a rien fait pour que ce genre de cas soit évacué. Biya n'a rien fait, il n'a rien prévu pour ça. Il y a des gens qui arrivent quand même à dire que non, c'est pas Biya, c'est son entourage. Pourtant, le même entourage est nommé par Biya. Genre, on vient dans un train, il y a accident. On ne demande pas qui le chauffeur a fait quoi pour empêcher qu'il y ait accident. On va dire que non, qu'est-ce que les passagers ont fait pour empêcher qu'il y ait accident. Pourtant, les passagers ne sont entrés que suite à l'accord du chauffeur. Voilà notre pays. Qu'est-ce que Biya a fait pour ça? Rien. Les gens sont dans les faux débats de que les Bamilékés, on ne peut pas prendre leur terre. Il n'y a que pour les bois qu'on peut vendre. Comme vous dites que les Bamilékés sont à l'abri. Et après, certains Bamilékés sont étonnés qu'on les déteste. C'est souvent à cause des débats comme ça. C'est souvent à cause de ce genre de discours que les gens tiennent pour dire que les Bamilékés sont des gens trop ceci. Ça fait même qu'au final, les gens même disent que, ah, d'ailleurs même, je vais avoir le barat de ces gens-là. Je vais avoir le macabo. Même si je vais avoir le macabo, ça ne change rien sur ce vaillant peuple et ce peuple dynamique. Ça ne change surtout rien. Mais j'aurais souhaité qu'on se penche sur ceci au lieu de parler d'une affaire de terre. Les Bamilékés ont fait ci, les Bamilékés ont fait ça. Le plus urgent, c'est qu'on ait d'abord la santé. C'est le premier pilier dans un pays. Qu'on s'occupe des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, le problème de sécurisation du territoire.
On se penche d'abord sur ça, les problèmes de logement. Il y a tout ça qui arrive. Voilà un cas encore très, très grave. Et on va se battre déjà pour commencer à régler ces problèmes. Les enfants dont je suis le parrain de l'association, dans le nord là-bas, je me bats parce qu'il faut qu'on règle le problème tout de suite. Parce que même si quand on te prend le pouvoir, il ne va pas régler ça en un jour. Il va falloir du temps pour mettre sur pied une couverture sociale pour tout le peuple camerounais. Ça prend du temps. Et il va le faire. C'est pour ça que le peuple l'a d'ailleurs élu. Le peuple l'a élu pour ça. Il le fera certainement. Il est temps qu'on se mette, que ce soit derrière le mouvement Corps pour le soutenir, qu'on se mette derrière le mouvement JSK, qu'on se mette derrière la base, qu'on se mette derrière le CCD, tout ce que vous voulez, ou bien qu'on soit, qu'on appartienne même à aucune de ces entités, toujours est-il que chaque entité a sa place, pour soutenir le professeur élu Maurice Kamto pour qu'il prenne le pouvoir. C'est le devoir de tout Camerounais, soucieux de l'avenir, du développement de ce pays. Le Camerounais qui met au-dessus d'abord les raisons tribales pour dire que je ne soutiendrai pas Kamto parce qu'il est bamileke, c'est les gens qui sont voués à la disparition. C'est les gens que si j'ai moi-même la moindre possibilité, je vais les éteindre parce que c'est des écrits, c'est des jaloux, c'est des minables qui ne doivent pas exister dans un pays aussi grand et aussi beau que le Cameroun. J'ai toujours été le premier à dire que nous sommes tellement cons que nous ne méritons pas cette terre. Le Cameroun est trop grand pour nous. C'est une terre magnifique. Et je regardais encore une fois de plus sur la carte du monde. Regardez la carte de l'Afrique. Regardez la position stratégique du Cameroun. Regardez la position. L'accès à l'océan, l'accès à ci, l'accès à ceci, les montagnes. Ça veut dire qu'on a tout. C'est un peuple, ça veut dire que c'est un pays béni. Regardez même la carte. Regardez notre position. Mais nous, peuple camerounais, nous sommes minables comme ça. Nous ne méritons pas cette terre. Comme d'ailleurs les êtres humains ne méritent pas leur place dans cette humanité mieux que les animaux. Les animaux méritent leur place sur la terre, mieux que nous les êtres humains. Un lion ne va jamais arrêter un zèbre gratuitement, tuer juste pour le simple but de tuer et jeter. Si le lion l'attrape pour le manger, c'est parce qu'il doit manger pour survivre. Parce que l'animal, différemment de l'homme, l'animal est un être génétiquement défini. L'animal est appelé à agresser la nature pour survivre. Différent d'un être humain qui est appelé à produire par lui-même ses propres moyens de vivre. Voilà la différence entre les deux. Mais les animaux, le lion peut voir le zèbre passer. Il ne tue pas. Parce qu'il a déjà mangé, il est déjà rassasié, se couche, il dort. Si le boa avalait peut-être un lapin, il va se coucher, il va dormir jusqu'au jour qu'il va digérer. Pour éviter de mourir, il va tenter d'arrêter encore un autre lapin ou un autre animal, manger, parce qu'il a besoin de ça pour survivre. C'est la nature qui l'oblige à agresser. C'est sa constitution génétique qui l'oblige. Mais l'homme tue pour rien. L'homme est indifférent à la souffrance de l'autre, et ceci pour rien. Je mets le truc, je dis, ok, on va parler de elle chez nous. Contre Calibri, ça chauffe entre Corps et la base. 300 personnes tout à l'heure. Comme j'ai laissé, maintenant je parle d'un problème plus important pour notre communauté, plus important pour notre pays, plus important pour ces enfants qui sont en train de souffrir dans le Grand Nord. Pour ces gens qui sont en train de souffrir partout au Cameroun. Pour cette sœur de 23 ans qui a son anniversaire aujourd'hui. Je lui disais tout à l'heure, happy birthday ma sœur. Et surtout que tu te soignes. Si on pouvait se pencher sur ce genre de cas et faire ce qu'on appelle une évacuation sanitaire. Mais non, on va attendre si c'est Samuel Eto'o, on va attendre si c'est Rigobert Song, on va attendre si c'est telle personne. On va payer l'évacuation sanitaire parce que c'est le haut niveau. Et on va laisser une jeune fille comme ça là, se faire ronger par la maladie. C'est ce qui me fait mal. C'est pour ça que j'ai pris le taureau par les cornes pour mener cette lutte-là jusqu'au bout. Et il y a des gens aujourd'hui quelque part qui mangent, qui sont heureux. Parce que j'essaye tous les mois de donner le minimum. Je suis heureux pour ça. Et si chacun autour de lui pouvait regarder, si chacun autour de lui pouvait se poser cette question, que je suis en Europe, je gagne 1500 euros, je gagne 2000 euros, comment faire profiter d'autres personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les mêmes moyens? Vous avez eu la chance d'avoir un boulot en Europe, un joli appartement, une voiture, vous vous battez tous les jours,
pour faire peut-être suivi, pour aider vos familles ici. Mais vous avez quand même une situation confortable qui vous permet de donner 1 euro à un enfant au Cameroun par jour. Par mois, ça vous fait 30 euros. Ça fait 20 000 francs CFA. Et c'est largement suffisant pour sauver la vie d'un enfant. Je donne 1 euro par jour multiplié par 2. Je donne 2 euros par jour. Ça me fait à peine 65 euros tous les mois que je verse. C'est rien. Mais je garantis le sourire aux enfants qui vivent grâce à ça. Qui vont à l'école grâce à ça. Qui mangent les beignets grâce à ça. Qui achètent des chaussures grâce à ça. Qui achètent le petit cahier grâce à ça. Voilà la rentrée qui arrive. C'est ça mon but sur la toile. Mon but ici n'est pas forcément de venir parler de, je ne sais pas, Flore de Lille a fait ci, elle a tout ma avec elle, a Minda avec ci, elle a fait ci. Mon but n'est pas de venir dire que quand moi la panthère a été insultée par tel ou par tel. Même si on est d'accord que ce combat qu'on mène, c'est pour la libération de notre pays. Mais je me penche sur cette question-là parce que je pense que c'est plus urgent, c'est plus important. Avant que le miracle n'arrive, avant que le Cameroun ne soit beau comme la Chine, avant que le Cameroun ne soit beau comme la France, il va falloir que nous, avant de bavarder, qu'on ait des preuves, qu'on ait des actions, qu'on mène des véritables actions. Ceux qui sont là pour bavarder, c'est leur problème qu'ils bavardent. Je parlais du Congo, ça tout à l'heure, ils étaient là. Ils sont partis, ils partaient, il n'y a pas de souci. Je vais rester jusqu'à la fin, même s'il y a deux personnes, et je parlerai de la dignité humaine. Je parlerai de ce qu'on appelle la bienveillance. C'est les choses qui manquent de chez nous. On n'est pas bienveillant. On peut être ensemble. On boit maintenant, on danse, on fait tout. Je prends ma moto là maintenant pour rentrer chez moi. Le Ben Sikine me cogne quelque part, je me retrouve à l'hôpital. Les mêmes gens avec qui j'ai bu, j'ai mangé, j'ai dansé. Parfois seront incapables de me demander. Mon frère, depuis ton accident, comment tu vas? Ne serait-ce qu'appeler pour avoir des nouvelles. D'autres vont te dire, je n'avais pas son numéro de téléphone. Pourtant c'est moi peut-être qui ai offert la bière. Il était capable d'appeler X personnes à Yagua, à Ngelemenduka, partout, s'il te plaît, donne-moi le numéro de tel. Créons même un Facebook. Créons même un groupe WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp à Paris. C'est-à-dire, leur groupe WhatsApp, c'est le nom de ça, c'est rendez-vous du vin. Rendez-vous de ceci. Ils créent le groupe WhatsApp. Aujourd'hui, on se retrouve tel part. Ils boivent, ils mangent, ils dansent. Ça s'arrête là. Cecilia Agassi, le PayPal est bien sûr disponible. Il suffit juste de cliquer dessus, le PayPal est encore là. Tu cliques dessus, si ça marche pas pour le premier tour, tu ressors complètement, tu relances encore, le PayPal est disponible, ça marche. Pour ceux qui veulent contribuer. Donc les gens ont réussi même à créer un groupe WhatsApp, juste pour se rencontrer, boire le vin. Flore de Lille est en ligne aujourd'hui, tape 7000 personnes. Parce que tantôt on l'a adressé à l'aéroport. Tantôt, on l'a vu, on est là en binda avec ses cocos qui ont de ces noms dans leur groupe de conneries qu'ils font de l'autre côté là. Chacun a son mérite, hein, chacun a son truc. Il y a ceux qui adorent ce genre de choses. Mais je suis pour que notre peuple parte de ça pour faire autre chose. Qu'on y aille de temps en temps. Pour faire, oui, bien sûr, hein, tout le monde a besoin de, comment dire ça, les faits divers, c'est important. C'est même d'ailleurs ce qui marche le mieux. C'est pareil, je peux engager un sujet maintenant. Je suis sûr que d'ici 30 minutes, j'aurai 1000 personnes si je parle d'un tout autre sujet. Les gens aiment bien les faits divers. Mais sauf que c'est des choses qui marchent trop chez nous. Et ça marche même trop bien. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'émotion. Peut-être un jour, on va donner raison au Sénégalais Senghor qui disait que l'émotion est nègre. Peut-être on finira par lui donner raison. Vous allez aller maintenant sur ce qui où on parle. Il y a d'autres associations, les enfants moniques, les fous de cœur. Tous les dimanches, on fait des lives. Dimanche passé, j'étais choqué. Bien que j'ai partagé sur ma page, on a partagé, on a essayé pour qu'il y ait le maximum de personnes. Il n'y avait personne. 18 personnes. Jules Chateau était là. Il y avait Hervé qui était là. Et l'autre semaine, Lini Gini, notre soeur, était encore là, dans Bocatière. Je vois des lives de l'une des associations les plus sérieuses et les plus crédibles du Cameroun à l'heure actuelle. Une association créée par des Camerounais de la diaspora qui parle des problèmes de femmes enceintes, la scolarisation des enfants, la prise en charge des filles enceintes, le suivi prénatal. Tout ça, on se bat tous les jours. Une partie de mon salaire part dans cette association pour qu'on aide nos soeurs qui sont au pays en train de souffrir.
On fait des directs, on a 18 personnes en ligne. On fait des directs avec 18 personnes en ligne. Et on le fait tous les dimanches à 19h. Tous les dimanches à 19h. Et parfois, nous-mêmes, on est télescopés. Je ne fais jamais de live à cette heure-là par respect pour mon association. Je ne fais jamais de live à cette heure pour ne pas créer ombrage. Mais comme le dimanche, c'est le jour du grand déballage et du grand Congossa dans la communauté camerounaise. C'est ce jour-là que chacun s'assoit avec ses pop-corns ou bien il est dans un ganga quelque part en train de boire et danser. On va écouter les gens qui viennent parler des choses qui n'ont rien à voir avec notre pays. Du moins, ceux qui ne traitent pas les sujets les plus importants. Les gens vont aller se connecter dans les lives, seront 3000, 4000, 5000 pour dire comment on a surpris telle personne dans tel hôtel en train de binda, pour dire comment Clinton J a fait ceci, on lui a taillé la pipe à gauche. On a taillé, récemment ils ont sorti encore quoi. La fille là a arrêté comme ça, alors que la fille là, les villageoises arrêtent comme ça pour tailler, alors que pour tailler, normalement on arrête plutôt comme ça. Voilà les coups. 3000, 4000 personnes vont regarder le direct de Fleur de Lille, où elle parle des coups de gaude. J'ai vu récemment, c'était Valérie Amougou faire une autre vidéo en disant aux gens que les filles, ne vous cassez pas la tête. Les hommes, c'est les histoires. Dès que tu mets ton doigt ici, tu fais comme ça, tu lèches là, tu mets la salive et en bas, tu tapes, top, 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 top. Tu jouis, tu es tranquille, tu peux dormir. Un homme, c'est quoi? Le live, il y avait tous ces 2500 personnes. On va voir de l'autre côté, on insulte. La communauté est là pour regarder. J'étais écœuré dimanche passé. Les enfants, Monique, on cotise tous les mois. Et dans cette association, on n'est pas dans une association où on fait dans... Il y a une sorte de crédibilité dans cette association. Du jamais vu. Et on se bat depuis 2016 pour que le cas de Monique là n'arrive plus jamais dans notre pays. On scolarise ses enfants. On scolarise d'autres enfants même d'ailleurs. On est à plus bientôt 50 femmes qui ont accouché grâce à notre association. Bientôt 50 femmes. 400 euros on a dépensé récemment pour une césarienne, pour faire accoucher dignement une soeur camerounaise qui était sur un lit d'hôpital. Elle pleurait, elle criait, parce qu'elle a besoin de ses frères de la diaspora. Elle criait, elle appelait les Camerounais de la diaspora, aidez-moi, ne me laissez pas mourir. C'est l'accouchement qui nous a coûté le plus cher jusqu'à aujourd'hui. 400 euros pour une césarienne. Et il fallait mettre l'argent sur la table avant que la fille n'accouche. C'est quoi ça? C'est quoi ce peuple qui est toujours dans l'émotion? C'est quoi ce peuple qui n'est présent que quand on parle des choses du Congo ça? C'est quoi ce peuple qui est toujours présent quand on parle des affaires du ventre et du bas-ventre? C'est quoi ce peuple? Et vous voulez qu'on soit respecté? Je ne suis pas là, Anita, pour parler des combattants. Il y a les combattants qui cotisent. Il y a les combattants qui ne cotisent pas. Il y a les combattants qui puisent dans les caisses. Il y a les combattants qui ne puisent pas dans les caisses. Ça, c'est leur problème. Je ne veux pas rentrer dans ça quand tu me dis que si tous les combattants cotisaient, ça devait encourager les gens aussi à cotiser. Si tu veux parler de moi, sache que je cotise. Si tu n'étais pas au courant, je viens de parler de l'association Les Enfants Monique. Il y a une partie de mon salaire. Et quand il dit une partie de mon salaire tous les fins de mois, ça ne veut pas dire que tous les mois, je vis 1000 euros. Hein. Ce n'est pas le miracle. Hein. Ça commence à 10 euros. Le dernier, c'est 10 euros. 20 euros. 30 euros. Mais 30 euros que tu vois petit pour toi en Europe, ça te sauve toute une famille. Je connais des familles qui vivent au Cameroun par jour, ils ne mangent pas 200 francs. Je connais des familles à Douala, on fait sauter le petit riz comme ça dans un bol. Le père mange, la mère mange, la tante mange. Petit riz de 250. Un petit kilo de riz. Tout le monde bouscule dans le même plat. J'ai vu des gens vivre encore des choses comme ça en 2019. On voit nos mamans, je parle encore comme ça, j'ai les larmes aux yeux parce que la petite Poaga est décédée. Décédée de quoi? De VIH sida. C'est une honte en 2019. C'est pour ça que je crie dans cela, je suis énervé. Il suffisait d'une seule chose, que la maman soit prise en charge pendant qu'elle est enceinte, pendant qu'elle continue son traitement d'antirétroviraux. Qu'on fasse le nécessaire. À l'extrême nord, là-bas, dans les coins perdus du Cameroun, les gens sont enceintes jusqu'à aller accoucher sans jamais aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent, évidemment. S'il y avait des agents payés par l'État pour faire ce travail, c'est-à-dire aller au fond des villages les plus reculés
prendre toutes ces femmes enceintes-là. S'il y avait une unité là-bas, mais vous allez vous rendre compte qu'au même endroit, vous allez voir qu'il y a un bureau du RDPC quelque part. Au même endroit, vous allez voir qu'il y a un truc improvisé du RDPC. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Au même endroit, vous allez entendre qu'il est comment un bureau là-bas. Vous allez entendre qu'au même endroit, il y a une mosquée, il y a une église. Mais il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de centre de santé. C'est une honte. C'est une honte. Il aurait suffi que la mère soit prise en charge. L'enfant aurait survécu. L'enfant aurait même d'ailleurs été né dans des conditions acceptables, sans la moindre maladie. L'enfant a 3 ans et demi, 4 ans, décède. Parce qu'on est dans une société négligente. Vous allez parfois voir, ils ont des tantes, ils ont des oncles. Ces mamans-là ont des tantes et peut-être des oncles, des papas et tout ça dans la famille. Parfois, les gens ne sont pas informés. Parfois, les gens ne savent même pas qu'il faut... Il y a des choses simples à faire chez nous, on n'arrive pas à les faire. Dès qu'on fait un direct pour dire qu'un chez nous a insulté Calibri, 1000 personnes tout de suite, on vous parle d'un vrai problème. Cotiser dans tel PayPal pour qu'on aide telle personne. Personne n'est au rendez-vous. Beaucoup s'en foutent. Parce qu'ils se disent que le malheur ne toque à la porte des autres. Jusqu'au jour où le malheur toque aussi à leur porte. Et ils parlent de solidarité africaine fait là. C'est de quelle solidarité? Ça n'existe pas. Quand les gens parlent de la solidarité africaine, ça me fait rire. La solidarité africaine a disparu il y a des siècles, on n'entend plus parler de ça. La solidarité africaine maintenant est dictée. La solidarité africaine, entre guillemets, ici est orientée. Selon qu'on est dans la communauté musulmane, ils vont le faire entre eux, les noirs musulmans. Selon qu'on est entre nous, Bamileke, ils vont le faire entre eux, les Bamileke. Ils vont le faire entre eux, les Douala. Ils vont le faire entre eux, je ne sais pas, les Louba. Ils vont le faire entre eux, entre les Kikuyu. Ils vont le faire peut-être entre les Séré ou bien les Wolof. Regardez la solidarité. Les Maliens dont on parle, on dit les Maliens sont solidaires. Les Ouest Africains sont solidaires, mais c'est faux. Ils ne sont solidaires que dans leur communauté. Dans leur tribu, je veux dire. On va dire plus largement, oui, Maliens, Sénégalais, tout ça se retrouve, Guinéens. Oui, parce que en réalité, on vient on est tous musulmans. Mais après, ils vont même au-delà de l'islam, ils diront que non. Bien qu'on soit musulman, non. Qui ignore la solidarité entre les Soninkés en France? Ils sont partis, ils sont même du même pays. Mais le Soninké va arriver quelque part où on nettoie le sol, où on lave les assiettes, où on fait ceci. Dès qu'il trouve déjà le réseau, il va faire venir son frère Soninké. Si tu es Bamanan, il ne te prendra pas. Pourtant, c'est le même pays, c'est le Mali. Si tu es Dogon, il ne te prendra pas. Il prendra son frère Soninké comme lui. Ils parleront la même langue, ils vont se renfermer. On parle de solidarité africaine. La solidarité africaine a disparu. Ça n'existe pas. Pour moi, la véritable solidarité, ce n'est pas à ce niveau. C'est pour ça que quand j'ai lancé l'opération Un Benguiste, Un Parrain, cette opération consistait à apporter du soutien à nos enfants qui sont au pays. Cette initiative-là, c'était ça en fait le but même de l'opération que j'avais lancée. C'est-à-dire aider quelqu'un sans tenir compte de ses origines. Aider quelqu'un quand il le faut. Moi, je suis Bamileke et je l'ai dit dans le petit live, la petite vidéo que j'avais faite à l'époque, il y a quelques mois, je vais dire. J'avais dit de façon claire, je ne peux pas aller aider un enfant à l'Ouest Cameroun. D'ailleurs, je rappelle que même si je suis Bamileke, je suis né et j'ai grandi dans le Mungo. Et le Mungo, c'est chez moi. La preuve, mes parents sont venus de Bamedjou pour s'installer dans le Mungo. En Ndjombe, tout ça, Pampenja et tout ce que vous voulez. Le Mungo, c'est chez moi. Mais il y a la réunion des Bamedjou à Paris. La réunion des Bamedjou de France existe, on appelle ça l'Arabaf. J'y suis allé pendant un an la première année. À un moment, j'ai rejoint la communauté des enfants de Ndjombe qui vivent en France. Je me sens plus bien avec les enfants de Ndjombe parce que je retrouve toute la famille. Je suis né, j'ai grandi à Ndjombe. J'adore la réunion des enfants de Ndjombe de France parce que je suis avec la communauté. Mais je vais juste rappeler que ce n'est pas parce qu'on est Bamileke qu'on dit forcément qu'il faut aller aider son frère Bamileke ou aider son frère de l'Ouest. Je suis bien sûr de là.
Mais je me sens à l'aise avec les enfants de Ndjombe parce que mon nombril a été enterré dans le Mungo au Cameroun. D'ailleurs, quand je parle de mon village, je vais rentrer chez moi, m'installer. Je ne parle pas de Bamadou, je ne parle pas de l'Ouest Cameroun. J'y vais quand je vais rencontrer, bien sûr, mes grands-parents, ils sont décédés et tout ça. Mais quand j'y vais, je vais me recueillir sur leur tombe. Je m'en vais faire mes coutumes à l'Ouest et tout. Comme sur place à Ndjombe chez moi, moi j'entre dans les chefferies là-bas. Sur place chez moi à Ndjombe, je pars n'importe où j'ai envie de partir. C'est ma terre, je me sens à l'aise avec les gens de là. Parce que je suis né, j'ai grandi là-bas. Mon histoire, c'est Ndjombe, c'est pas ailleurs. Donc j'avais lancé ici, j'ai dit, je ne tiendrai pas compte de la religion, mais j'irai chercher loin à l'extrême nord, là où le besoin se fait sentir. Le besoin se fait sentir où? Le besoin se fait sentir à Mokolo, à l'extrême nord Cameroun. Je ne tiens pas compte de la religion, je ne tiens pas compte de la tribu, je ne tiens compte de rien, je m'en moque complètement. Il y a des enfants là-bas qui sont en difficulté. Même s'il faut m'humilier, je parlerai de ça ici tous les jours en espérant que les gens cotisent dans le PayPal qui est encore là épinglé. 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Chacun selon ses moyens. Et je ferai ça tout le temps. Il y a ceux qui sont venus me dire, mais je ne m'intéresse pas à ces minables là. Il y a ceux qui m'ont dit, tu es devenu le roi des litis. Mais je ne répondrai jamais à ces minables. Parce que Dieu seul sait que ce que je fais est important. Dieu seul sait que ce que je fais est constructif. Je récolte ces fonds-là. Pour ceux qui veulent donner, ils mettent dans le PayPal. Je récolte les fonds et j'envoie. À chaque fois, la maman me dit merci, mon fils. Je dis, ne dis pas seulement merci à Bertie Le Camille, mais fais une vidéo pour dire merci à toute la diaspora camerounaise. Parce que c'est les Camerounais de partout qui cotisent. Il y a même ceux du Cameroun qui aident aussi. Ce n'est pas seulement Bertie qui le fait. C'est pas seulement, il y a les Camerounais de la diaspora. Fais une vidéo pour leur dire merci. Et elle le fait tout le temps. Elle envoie ici. Quand il s'agit des sérieux problèmes, quand il s'agit des sujets les plus importants, on n'est pas au rendez-vous. Et on veut qu'on nous respecte. On veut quel genre de respect? Voilà les enfants ivoiriens abandonnés dans le désert en Tunisie. Ouattara n'a pas pu se prononcer. Aucun ivoirien ne s'est prononcé sur ces questions. Personne n'a dit qu'on va dépêcher un avion. Personne n'a dit qu'on va faire ci. C'est encore les mêmes Arabes qui viennent s'en occuper. Ça, c'est pas une honte, ça. Ce n'est pas une honte, c'est les mêmes Arabes qui viennent s'en occuper. Ce n'est pas possible. On est un peuple de malades. Peuple de malades. Un peuple émotif. Peuple émotif. Et je vais encore rappeler que ceux qui battent des records, il n'y a que Rémi Ngonoko, un sujet intéressant, qui récemment a battu le record de longueur. Je rappelle que le plus grand record dans notre communauté en live, c'était 10 000 vues, 10 000 vues, longueur. Parce qu'il avait annoncé qu'il va faire le déballage des artistes, il va parler des affaires de caleçon, parler des affaires de soutien. Rémi Ngono est venu sauver l'honneur. Voilà un peuple. Intéressé uniquement par ce qui est Kongosa, ventre et bas-ventre. On s'arrête là. Tel a telle maladie, tel n'a pas les papiers, tel drague telle femme. Et c'est surtout ce qui a tué ce combat que nous sommes en train de mener. C'est ce qui a tué cette révolution que nous menons. Parce que toutes les affaires de sang caleçon sont ramenées sur la toile et les gens ne le font pas sur leur propre page. Et j'ai toujours dénoncé ici en vous disant, quand vous avez un règlement de compte à faire avec notre camarade et que vous voulez le faire sur la toile, n'utilisez pas le nom de la brigade anti-Sardina. Le nom brigade anti-Sardina, c'est le nom que c'est-à-dire que c'est le mouvement du peuple. C'est le mouvement qui englobe les Camerounais dans leur... C'est le mouvement qui a récemment poussé les Camerounais à s'intéresser davantage à la chose politique. En dehors de l'influence de l'effet Kanto, en dehors de l'effet Kabra, l'effet Ekanga et tout ce que vous voulez. L'effet Liboum Nissak et tout ça. Ces derniers temps, mais je dis, la brigade anti-Sardina, quand vous voulez régler vos comptes, utilisez vos propres comptes Facebook. Vous n'êtes pas obligé de mettre brigade anti-Sardina et venir faire les pleurnichards, pleurer sur la toile en balançant sur tel copain. Si vous voulez balancer, n'utilisez pas le nom de Kanto ou rien. N'utilisez pas JSK. N'utilisez pas le CCD. Utilisez vos propres comptes même Facebook pour régler vos comptes. Utilisez vos différentes pages Facebook pour régler vos comptes. Ne prenez pas le nom de la brigade, vous mettez, vous venez balancer sur les autres. Ça ne fait pas crédit, ça ne fait pas sérieux. Voilà notre communauté.
Floria Tenet, je vais essayer de lire mes inbox après. Il n'y a pas de souci. Je vais bientôt clôturer le live et je vais regarder progressivement. Pour ceux qui voulaient contribuer, le PayPal est en ligne. Envoyez, mettez de l'argent à l'intérieur. Et vous avez vu le compte rendu que je vous ai donné. J'attends encore d'autres vidéos par rapport à l'argent que j'ai encore envoyé récemment. J'attends, j'enverrai ici également ce qui les vidéos, les photos de la valise que j'avais récemment transférée. Et tout ce qui va avec, je viendrai toujours ici, comme d'habitude, vous rendre compte. Mais j'ai mal. J'ai mal. Ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut se faire respecter. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut se faire respecter. Donc, le rendez-vous est pris pour demain à 19h. Avec la, il y a la page, les enfants Monique, les fous du cœur. Allez massivement sur cette page-là demain à 19h. Il y aura toujours un live où on vous parlera des cas. Et informez même d'ailleurs les gens autour de vous. Informez les gens. Si vous vous rendez peut-être compte qu'il y a une fille quelque part qui est abandonnée, qui est enceinte, il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, écrivez-nous. Tapez juste les enfants Monique, vous allez voir la page va s'afficher. Vous écrivez inbox. Evelyne Chomchoa, moi je ne suis pas dans le Congo ça. Vous connaissez ma façon de fonctionner sur la toile. Je ne suis pas dans leurs histoires. Tout au contraire, moi je dénonce certaines choses dans cette révolution depuis longtemps. Et ça a fait que même au sein de tous ces mouvements-là aujourd'hui, au sein de toutes ces entités, j'ai beaucoup d'ennemis. Parce que les gens n'acceptent pas et ils n'aiment pas ma franchise. Je suis quelqu'un de franc. Je ne suis pas celui qui dit ceci, demain je dis un autre. Jamais. Ça, c'est pas bêtis ça. Personne ne dira jamais ici que j'ai accepté de faire ci, le lendemain, ça allait faire le contraire. Sauf qu'à un moment, il faut que les gens arrêtent. Je suis parent de deux enfants qui orphelins de père et de mère. Ces enfants sont bénédiqués. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, Caroline Cuya. C'est une bonne chose. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut aider là où le besoin se fait sentir. Si l'enfant est bamiléqué, que tu es bamiléqué. Si tu vois que tu vas aider, tu aides. Comme c'est le cas d'ailleurs. Si l'enfant est bêtis, tu vois que tu vas aider le bêtis, tu aides. Mais il ne faut pas laisser un enfant. Il ne faut pas aider un enfant bêtis qui a déjà de quoi manger. Parce que c'est ton frère bêtis. Et laisser un enfant bamiléqué, par exemple, qui meurt, qui est même dans le besoin, qui est dans l'urgence, simplement parce qu'il est bamiléqué. Il faut se rendre à l'évidence que c'est avant tout un être humain, avant d'être bamiléqué, avant d'être camerounais, avant d'être africain. Il est avant tout un être humain, c'est de ça qu'il s'agit. Et ne dis pas que moi-même je n'ai jamais aidé les enfants bamiléqués, ou bien que je n'ai jamais moi-même aidé les bamiléqués, ou bien je ne dis pas que moi-même en tant que bamiléqué, les bamiléqués ne m'ont jamais aidé. Jamais, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'espère qu'on s'est compris à ce niveau. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais l'opération un bébiste, un parrain que j'avais lancé sur la toile, j'ai mené cette opération, j'ai commencé, j'ai choisi de commencer par l'extrême nord. J'ai parrainé deux enfants au Cameroun. J'aide encore jusqu'à aujourd'hui. À raison de 2 euros tous les mois, 2 euros tous les jours. Ça me fait à peine 670 euros tous les mois. Ça ne m'a pas tué jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je ne roule pas sur l'or en Europe. Je jongle comme tout le monde. Le jour où c'est les assiettes, je lave. Le jour que c'est agent de sécurité, je pars. Le jour où c'est briser le maïs, je pars. N'importe où on m'appelle nettoyage, je pars. Aujourd'hui, on me dit, c'est nettoyer le McDo, je ne vais pas nettoyer. Je ne suis pas venu en Europe pour le camembert et le vin rouge. Je suis venu chercher l'argent. Mais il y a des gens qui ont parfois des situations encore meilleures, des gens qui sont dans le luxe total, qui sont incapables de regarder leurs frères. Incapables. Il y a des gens au Cameroun, le cas de la jeune fille que je viens de montrer, il y a des gens, ça ne leur coûte rien. En un claquement de doigts, ils font voyager cette fille. Évacuation sanitaire, express, et la fille est soignée dans des meilleures conditions. Et on aurait sauvé une vie. Mais on est samedi soir, les gens sont en train de s'apprêter. Ils vont aller tout à l'heure se trémousser dans les boîtes de nuit. Et vous voulez qu'on respecte les nègres. Je suis pour qu'on ne respecte pas les nègres en Europe. Et même partout dans le monde d'ailleurs. Tant que le noir n'a pas changé. Tant que le noir n'a pas compris que la priorité, c'est de se battre pour que son peuple soit respecté. Les Chinois sont respectés partout dans le monde parce que leurs dirigeants travaillent pour qu'ils soient respectés. La diaspora chinoise est l'une des plus performantes au monde. Simplement parce que oui, ces gens-là travaillent. Et ils font tout pour blanchir leur image, malgré tout ce qu'on peut dire des Chinois. La diaspora japonaise, la diaspora coréenne,
Regardez même la diaspora maghrébine, malgré ce qu'on va dire des Arabes. Regardez comment ils avancent tous les jours. Regardez comment ils achètent. Ils sont devenus propriétaires maintenant presque partout. Ils ont des maisons partout. Regardez, allez voir comment le pays évolue. Regardez partout comment ça avance. Nous sommes à la traîne. Le problème, c'est de mettre les couscous. Comme c'est aujourd'hui samedi, elles vont mettre tout à l'heure les couscous. Elles vont aller sauter le métro. Dès que tu vas dire bonjour, elle va se tourner. Pourtant, c'est ton frère qui te dit comme ça bonjour. Dès que le blanc va dire bonjour, mademoiselle. Oh oui, monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes gentil, qu'est-ce que vous êtes beau. Voilà les nègres. Je parle comme ça avec les nègres parce que je déteste les nègres. Je ne traîne pas dans le milieu avec les nègres. C'est à cause des choses comme ça. Bon, j'ai fini le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Merci à ceux qui me font l'honneur de me suivre tous les jours quand je fais mes lives. Je ne saurais vous remercier assez. Je vais m'arrêter là, comme je suis en train de dire. Alors, pour ceux qui disaient qu'ils voulaient qu'on peut contribuer dans le PayPal est encore disponible. Vous allez juste cliquer. Si vous avez le moindre souci, vous me contactez Inbox pour que je vous envoie le lien. Voilà. Merci à vous et surtout, très bon week-end.